C'était très difficile pour moi de vous expliquer en 10 minutes à quel point ces jeunes femmes qui sont là derrière sont merveilleuses et en quel point leur art nous touche et nous rend fiers. Alors je veux commencer par vous présenter un peu notre association. Donc les jeunes femmes font partie de l'ESAT Marville, qui est un établissement et service de l'aide par le travail, qui est géré par la résidence sociale, une association centenaire qui gère 13 établissements et services pour personnes handicapées et personnes âgées. Donc la résidence sociale existe dans le paysage associatif depuis 100 ans. Les deux dames en photo, c'était deux dames merveilleuses, Marie-Jeanne Bassot et Mathilde Giraud, qui ont initié en quelque sorte l'action sociale en France. Et donc l'ESAT Marville a été créé au sein de cette association en 1994. Il accueille 80 adultes handicapés qui travaillent dans 5 domaines d'activité. Et grâce à l'aide qu'ils reçoivent, ils sont à même de fournir des prestations de très bonne qualité. Et on essaye de les soutenir individuellement le plus possible. Et on est très, très fiers d'eux. Voilà, donc l'atelier d'art créatif. Ça, c'est quelques photos de leur réalisation. Et donc, il a été créé en 2013 et il permet à 8 artistes, donc 3 sont là, et sont très fiers d'être là, de s'exprimer et exprimer leur créativité, leur originalité. Et leurs créations sont vendues, donc elles vivent de leur travail, elles sont intégrées. Mais je veux laisser Youssef, qui est leur encadrant et leur éducateur, vous présenter le groupe un peu plus. Et après, peut-être les filles auront quelques mots à dire. Bah, je vous remercie. Oui, alors bonjour à tout le monde. Donc, je suis Youssef Benzara, je suis éducateur sur la structure donc, à l'ESAT Marville. Faut savoir que l'activité art créatif, qu'on dénomme ainsi au sein de notre établissement, existe maintenant depuis quasiment 14 mois. On s'est aperçu au niveau du travail, il faut savoir que là où je travaille, en fait, on accueille des personnes pour les sensibiliser, les mettre dans le monde du travail, en sachant qu'il y a une grosse difficulté, c'est ensuite de les intégrer dans le monde dit ordinaire. Et on s'est aperçu que certaines personnes avaient de plus grosses difficultés, bien sûr, mais également avaient quelques compétences, plus que des compétences, du point de vue artistique. Ce qui a, après des cogitations, on s'est dit qu'on allait créer un groupe en rapport avec la création artistique, tout simplement. On s'est rapproché d'une association sur l'île de France, notamment le 93, c'est l'association Franciade, qui s'occupe de mettre en valeur le patrimoine local et régional de l'île de France. Et par le biais de cette association, on a recruté donc une encadrante, une monitrice qui s'appelle Ophélie et qui a mis en place en fait l'activité avec nos 8 artistes dont on a 3 représentants d'ici même. Faut savoir qu'elles n'en vivent pas réellement encore. Là, Nicoletta est bien bienveillante, mais bon, elles ne sont pas encore dans le sens où on a une galerie où on vend tous les jours. Mais faut savoir qu'on commence à vendre un petit peu de leur production, tout à fait. Ce sont souvent des tableaux, ce sont également du travail qui permet de mettre en avant la récupération de matériaux comme le carton. Et tout ça, c'est travailler vraiment. On est tous les jours éblouis, en fait, quand on voit le travail qui est réalisé par l'ensemble de ces dames. Il faut savoir qu'elles sont en majorité des femmes. Et qu'il y a très peu de temps, il y a deux hommes qui sont venus se greffer à ce groupe et qui ont su s'intégrer au groupe et montrer également qu'ils avaient beaucoup de potentiel du point de vue artistique, en fait. Pardon Ah, ouais, y a un petit film. Voilà. Bon, voilà, je crois que j'ai peut-être dit, je crois, l'essentiel, il me semble. «
Créés en 1994, les AT Marville de Stain accueillent 80 adultes handicapés qui travaillent dans 5 domaines différents: restauration, blanchisserie, conditionnement, tri recyclage et espace vert. Afin de mieux appréhender l'ensemble des activités, nous avons rencontré Jérôme Mangot, directeur de cet établissement. Alors un ESAT, en fait, c'est un établissement et un service d'aide par le travail. On a vocation à devoir proposer des activités de travail à des personnes reconnues travailleurs handicapés qui nous sont envoyées par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. On a une double vocation. La première, c'est de les mettre en situation de travail par rapport à des activités professionnelles. Et une deuxième, à leur apporter des soutiens pour des acquisitions didactiques, des loisirs, des mises à disposition extérieures. Alors les activités au sein de l'ESAT Marville sont de l'ordre de la sous-traitance, alors en imprimerie. On a une activité aussi location de plantes vertes et entretien des espaces verts. On a une équipe aussi blanchisserie. Pour l'instant, on s'occupe de tout ce qui est vêtements de travail propres chez nous. Nous avons aussi une équipe de 22 travailleurs encadrés par deux responsables. Donc c'est de la mise à disposition, de la sous-traitance, collecte et destruction de déchets. Et on a une activité aussi restauration. Un premier secteur, c'est les plateaux repas, le self, pour nous restaurer, nous, ESAT et EM Pro. Et le troisième secteur est l'atelier en lui-même, ouvert aux personnes extérieures de la ZAC et même de la ville. Nous avons pu également rencontrer Ophélie, monitrice de l'atelier Art Créatif. Cette activité a vu le jour il y a un an. Elle a rencontré un franc succès auprès des adultes de l'ESAT. Ça a été un hasard de pouvoir rentrer dans cet ESAT avec cet atelier très spécifique. Après, je sais que c'est évidemment un rapport très sincère qu'ont ces gens. Et je pense que ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai toujours voulu travailler avec ce genre de milieu. Ça va faire 15 ans que je travaille déjà. On est en train de faire les plateaux repas. On est en train de décorer les plateaux repas pour l'exposition. Et je suis très fière de moi, voilà. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on nous demande au niveau de la direction. Faites des sapins de Noël pour les entreprises parce que c'est une façon de gagner de l'argent. Donc il y a les choses extérieures qui nous sont demandées par la direction. Ensuite, il y a les choses extérieures, par exemple Franciade, qui est une boutique avec qui on travaille, qui nous dit il nous faut tant d'objets. On a dû commencer par faire des cadres pour l'exposition en mai dernier. On a commencé avec du journal et elle, à travers le journal qui était juste des écritures, elle a choisi les images. Avant, je ne travaillais pas ici, avant. J'étais qu'en atelier, donc ça m'a changé un peu ma vie, quoi. Ça m'aide aussi à évoluer, à être bien. Et ça fait un an que je suis ici, comme Adja. Et ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est bien l'ambiance, que ça me plaît, et que je suis à l'aise, que c'est mieux que les ateliers. Donc je trouve que j'ai beaucoup évolué, que je suis contente de moi. La satisfaction, c'est que déjà, le travail, il avance. Moi, je trouve que ça a été assez vite. L'air de rien, en un an, de pouvoir faire autant de choses si différentes. J'aime bien les tableaux, les cœurs et les cadres. Ils sont en bas, mes cadres. Dans le hall, c'est ça? Oui, dans les halls. Bah, c'est bien. C'est toi qui donnes des idées? Mais c'est moi, oui. Je pense qu'à plein de moments, on est pareil, quoi. On est entre collègues. Et donc ça, c'est très agréable et on a vraiment créé une intimité de rapport humain aussi. Et qui du coup permet énormément de choses, je pense, dans le travail. Les AT de Marville ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin puisque plusieurs projets sont en cours de réalisation ou déjà réalisés. On a aussi des projets à venir. Alors ça, c'est un projet qui est en train de se mettre en place. C'est la ferme des possibles. On travaillait sur une ferme de permaculture sur le situé à Stain. Voilà. Donc on va créer une synergie aussi autour de ça, autour de l'agriculture bio, maraîchère. Enfin, voilà, c'est un travail de longue haleine, mais toujours utile et agréable à faire. Je veux juste conclure par vous inviter le 13 mai au vernissage de leur exposition au Le 60 à Dada à Saint-Denis. C'est Saint-Denis Basilique. Et venez les filles.
Déjà, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Aline. Donc, je fais partie des ateliers arts créatifs depuis 2 ans cette année. Et je veux dire que ce métier est quelque chose d'unique pour moi parce qu'on change des ateliers. On est toujours aussi surpris et ému de faire partie de ça. Je pense que tout le monde a aussi un lien très créé entre nous. Et j'espère que ça va durer pendant plusieurs années. Et je souhaite que tout le monde soit content de soi parce que c'est important de créer quelque chose d'unique. Et c'est émouvant parce que pour moi, c'est bien de voir un public pour une fois. Et je trouve que ça me touche beaucoup. Et que c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de voir tellement de monde que ça. Et c'est drôle parce que moi, ça me touche énormément parce que c'est rare de voir du monde qui vient nous voir, qui demande ce qu'on fait. Et je trouve que c'est super. Donc je vous remercie tous et toutes d'être venus si nombreux. Merci. Donc, je m'appelle Adja, bienvenue. J'ai 39 ans, ça fait 15 ans que je travaille à ma ville. Et je suis très fière de moi, et puis voilà, et puis ça fait. Ça, je suis très fière de moi parce que des fois, je fais deux choses en même temps et ça me plaît, voilà. Et des fois, on fait plein de dessins, plein de choses, et voilà. Pour l'exposition, et voilà. Et merci, voilà. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 29. Et en fait, je fais de la sérigraphie avec Antoine. Et on fait des coussins, on fait des cadres avec des tableaux, des papiers, des cartons. Et après, on travaille dessus et je suis hyper contente de vous voir. Merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Ariane et je viens vous présenter ma galerie d'art contemporain qui est une pop-up galerie, la galerie Ariane CY. Alors j'étais un peu étonnée qu'on me demande de venir vous parler de l'art contemporain et surtout du marché de l'art contemporain quand le thème des Creative Morning est l'humilité. Heureusement, le chapitre parisien a un petit peu adapté le thème. Voilà, là, c'est beaucoup plus marché de l'art contemporain. Et donc, aujourd'hui, je suis très, très émue de venir vous parler. La galerie a tout juste un an. La galerie a eu un an il y a quelques semaines. Donc, c'est une super façon de venir fêter mon anniversaire avec vous. Mais bon, je dois vous avouer qu'avant avant de devenir une star parmi vous, le fait de monter un projet, ça m'a appris l'humilité. Pendant toute cette année, j'ai reçu pas mal de leçons d'humilité que j'aimerais partager avec vous. Si jamais vous portez des projets, que vous êtes entrepreneur vous-même, vous allez sans doute vous reconnaître. Pardon. Alors, leçon d'humilité numéro 1. Nous, les marchands d'art, nous sommes des faiseurs de rien. Est-ce que parmi vous, il y en a qui travaillent dans le marché de l'art ? Oui, un peu. bonjour les faiseurs de rien. C'est pas moi qui le dis, c'est Diderot. Diderot donne une définition assez acerbe des marchands d'art. Il parle des marchands merciers, qui sont les ancêtres des marchands actuels, en disant qu'ils sont marchands de tout et faiseurs de rien. C'est très très dur comme définition, mais effectivement, c'est la première définition du marchand d'art. On est faiseur de rien, c'est pas nous qui créons. En revanche, on négocie les œuvres d'art. Donc c'est un travail de négoce, c'est un travail de marchand. Nous, on vend tout. Voilà, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on crée une galerie d'art contemporain aujourd'hui ? C'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. C'est très dur. Moi, je travaillais dans des galeries pendant 10 ans et je vous assure que je n'avais pas vraiment envie de monter la mienne. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup le côté paillette du marché de l'art. C'est vrai que c'est 55 milliards de dollars par an. C'est de l'argent qui attire beaucoup de monde. À Paris, il y a énormément de galeries, et Paris n'est pas la seule ville de marché d'art contemporain. Donc, pourquoi est-ce qu'on se lance ?
Alors, j'ai rencontré il y a quelques années déjà un sculpteur qui s'appelle Samuel Yal. Et j'ai vraiment eu un choc pour ses œuvres. Moi, j'étais marchand d'art non contemporain. Et de fil en aiguille, après avoir collectionné ses œuvres, je suis devenue son agent. Et pour la première fois dans ma vie de marchand, il y a eu des difficultés. Et notamment, en fait, je me suis aperçue qu'on présentait son travail à des galeries. Parfois, ça marchait, parfois, ça ne marchait pas. Mais en tout cas, il y avait des vraies résistances. On me disait souvent, j'aime beaucoup son travail, mais tu comprends, c'est pas le goût de ma galerie, je peux pas vraiment le montrer. Le point culminant, ça a été quand on m'a dit, on est parti, on a fait des centaines de kilomètres, on est parti dans un centre d'art contemporain très réputé en France. On arrive avec le book de l'artiste, on le tend au directeur avec qui on avait décroché un entretien, on était très émus, on attendait ses conseils. Et là, il nous a dit quelque chose qui nous a beaucoup fait grandir. Il nous a dit « Bravo, vous avez réussi à réunir tout ce que je déteste, la représentation humaine et la céramique. » Donc voilà, ça c'était un bon moment qu'on a passé ensemble. Donc voilà, un détail de dissolution de Samuel Yal, représentation humaine et céramique. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit « J'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à apporter, j'ai quelque chose à dire, ou plutôt j'ai quelqu'un à dire. » Et ça, c'est la deuxième définition du marché de l'art. Nous, on fait passer les œuvres de la sphère intime, de la sphère intime de l'atelier. Vous l'avez dit, hein, dans l'atelier, on voit pas beaucoup de monde. Alors, de la sphère intime de l'atelier de l'artiste jusqu'à la sphère publique, dans la galerie, dans les foires, dans les musées parfois. On fait aussi passer de la sphère intime des collectionneurs, hein, jusque parfois à d'autres collectionneurs. Ça, c'est le marché secondaire. Le marché primaire, c'est quand on vend directement une œuvre d'un artiste. Marché secondaire, quand on vend une œuvre qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. La deuxième leçon d'humilité que j'ai reçue, c'est on a tous commencé petit. Alors oui, l'idée était lancée, je voulais monter ma galerie, c'est très bien. Mais pour monter une galerie à Paris, il faut beaucoup d'argent pour avoir une boutique. Je me suis donc demandé comment faire. Alors, j'ai surfé sur la mode des galeries nomades qui a été autorisée grâce au développement d'Internet. Grâce à Internet, vous pouvez avoir une vitrine toute l'année. Votre galerie est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur Internet. Et vous pouvez bouger, avoir une galerie nomade et investir des lieux différents en fonction des expositions. Ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup comme idée. D'abord parce qu'elle s'adaptait aux œuvres qu'on avait à présenter. À chaque fois, on change de lieu et le lieu va correspondre aux œuvres qu'on a à présenter et pas l'inverse. En revanche, j'ai accéléré un petit peu le rythme en proposant des expositions de 2 jours seulement. C'est très, très, très rapide. On arrive, on investit un lieu, on ouvre 2 soirées et on repart. On a tous commencé petit, c'est Tadeusz Ropak qui a eu la gentillesse de me dire cette phrase. Tadeusz Ropak, si vous ne le connaissez pas, c'est un des grands, grands galeristes mondial. Il est à Paris, il est rue de Bellem, il a aussi une galerie à Pantin. Immense galeriste, je lui tends l'invitation à la première pop-up, j'étais très émue, et il m'a dit « mais vous savez, on a tous commencé petit ». Il ne s'est pas arrêté là, je lui présente un peu maladroitement mon projet de galerie nomade, éphémère, et il me regarde en disant « Ah, mais c'est une pop-up galerie !» Oui, oui, c'est une pop-up galerie. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César, et à Tadeusz ce qui est à Tadeusz, c'est lui qui m'a donné ce nom. Si vous êtes un peu dans la mode, vous connaissez le concept du pop-up store, hein, c'est exactement la même chose, on arrive, on repart. Voilà la première pop-up, avec Samuel qui est flou dans le fond. À un premier plan, vous avez Impression Homme Debout de Samuel Yal, toujours en céramique. Là, la deuxième pop-up avec une œuvre d'Ivan Kantos qui a eu la gentillesse de faire partie de la galerie dès le démarrage. Il a aussi une galerie à Madrid qui s'appelle les Twins, la Twin Gallery. Voilà, donc des œuvres d'Ivan Kantos. On est à la deuxième exposition en octobre dernier. Voilà, et c'est pas parce qu'on est là uniquement 2 jours que ce sont des petites expositions. Là, vous avez Osium Foris, on a été dans 650 mètres carrés dans le Marais, 3 plateaux, plus d'une centaine d'œuvres qui arrivaient d'Espagne, d'Avignon, de Bretagne, et un kangou qui arrivait de Saint-Cloud, voilà. Et
C'est pas parce que c'est rapide, court, qu'on n'a pas de propos. À chaque exposition, on propose vraiment, c'est toujours la même idée, hein, je viens dire quelqu'un. Donc il y a un discours, une scénographie, un parcours dans l'exposition. Là, vous avez une vue de la dernière pop-up, Solstice, qui était dans le Marais, toujours, à la galerie Joseph, fille du Calvaire, avec la galerie DDC. Le format est très pratique pour moi, parce que pour avoir travaillé pendant de très nombreuses années dans le marché de l'art, je me suis rendu compte à quel point le fait d'avoir une galerie pouvait être aliénant. C'est-à-dire que c'est une boutique, vous devez aller l'ouvrir 5 à 6 jours sur 7, tous les jours, tous les matins, et la fermer tous les soirs, ce qui vous laisse assez peu de loisirs. Comme je me lançais, il était hors de question d'avoir quelqu'un qui tenait la galerie pour moi. Or, moi, là où je prends plaisir à être marchand, c'est de pouvoir passer du temps dans les ateliers de mes artistes. Avant, je vous l'ai dit, je travaillais dans l'art non contemporain. Les artistes, concrètement, étaient morts. Je ne pouvais pas leur poser de questions. Et l'art contemporain, la définition, quand on vous demande une définition, c'est tout simplement l'art des gens qui sont en vie. Donc là, mes artistes sont en vie, c'est mon grand bonheur, donc je passe mon temps à leur poser des questions. Là, vous avez Samuel Yal dans son atelier. Ici, Guillaume Castel, qui lutte contre une sculpture qui sera présentée en juin à Ballon, dans la Sarthe. Voilà, elle est en cours de réalisation. Là, vous avez Raphaël Thierry. Je ne sais pas si vous le voyez entre les tableaux. Voilà, il est en train de peindre René Char. Vous avez plusieurs images de lui en train de peindre le tableau. Ici, sa main, quand il dessine. Là, il vient de dessiner au fusain. Et là, vous avez une vue de l'atelier d'Ivan Cantos la semaine dernière à Madrid. Voilà, Infancia d'Ivan Cantos. La leçon d'humilité numéro 3, c'est « il n'y a qu'ensemble qu'on sera plusieurs ». J'ai un petit mur de la gloire, voilà, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé. Quand vous êtes entrepreneur, vous savez que vous avez besoin d'aide. Alors, il y a beaucoup de talents différents, hein, ceux qui vont, l'ami avocat qui vous rédige vos statuts, l'ami photographe qui prend les photos à vos pop-up, l'ami graphiste qui vous donne un coup de main. Mais en plus de ça, il y a toute une petite armée de la galerie Ariane CY, la pop-up team, qui m'aide à chaque fois. Malheureusement, je n'ai pas de photos d'eux et d'elles. Ça, c'est vous dire comme elles sont et ils sont discrets. Mais l'idée, c'était aussi de proposer une expérience unique et confortable. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans les expositions, il y a quelqu'un qui prend votre manteau, quelqu'un d'autre vous tend quelque chose à boire, et une troisième personne vous propose un petit four. Vous avez la place et vous avez le temps de voir les œuvres. Ça se traduit très concrètement par le fait que la plupart des clients restent plus d'une heure au vernissage. Et ça, c'est énorme dans un vernissage d'art contemporain. Donc on est ravis. Et ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas autant de gens qui m'aident bénévolement. C'est d'autres faiseurs de rien, d'autres gens du marché de l'art, et puis des amis. Voilà, leçon d'humilité numéro 4. Rien ne se passe jamais comme prévu. Alors, pour vous expliquer, je quitte mon travail, bien confortable, et je monte cette pop-up galerie. J'avais tout bétonné pour la première expo, c'était très important, c'était l'expo de ma vie. Et une semaine avant, le lieu nous plante. 5 jours avant, j'annule l'exposition. Je suis donc ravie, j'ai quitté mon travail, voilà, c'était un moment de joie. Et heureusement, l'annulation n'a duré que 12 heures, puisqu'on a trouvé un autre lieu pour exposer. En moins de 12 heures, donc en 48 heures, on a fait 3 scénographies, ça a été assez sportif. Heureusement, j'ai des artistes patients. Mais heureusement, je voulais vous dire qu'heureusement que rien ne se passe comme prévu quand vous lancez un projet, parce que c'est comme ça que vous avez des belles surprises. Alors, ici, je voulais vous montrer, si j'avais pu prévoir ce qui allait se passer, j'aurais pas pu prévoir ceci. Je vous laisse regarder, c'est très rapide. We'll be right back.
n'aurait pas pu prévoir que le roi des Pays-Bas allait contempler une œuvre de Samuel Yale. Quelques mois après la phrase, 6 mois exactement après le rendez-vous en Provence. Donc là, vous êtes à l'exposition Grandeur, consacrée à la sculpture monumentale française. Et Samuel Yale a été le sculpteur le plus jeune à être sélectionné pour faire partie de cette exposition. Il y a eu 300 000 visiteurs, c'était tout l'été dernier à La Haye. Là, vous le voyez en grande discussion avec le directeur du musée et le roi William Alexander. Vous avez Samuel Yale sur votre gauche, et puis juste à côté, Guillaume Castel. Guillaume Castel que j'ai rencontré lors de cette exposition, qui est devenu un artiste de la galerie. Autre belle surprise, j'ai commencé à travailler avec Raphaël Thierry, qui est un autre artiste, avec qui nous avons participé à une exposition collective à Moscou, organisée par le Centre culturel autrichien à Moscou, le Musée d'art moderne de la ville de Moscou et le Musée d'art contemporain de Vladivostok. Là, vous avez un fusain de Raphaël Thierry. Ici, un autre. Et un troisième. Voilà, un autoportrait. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, orange. Mais... voilà. Et à peine 6 mois après l'ouverture de la galerie, on nous a demandé de participer à un off de la FIAC. La FIAC, c'est une grande foire d'art contemporain. On nous a proposé de participer au Hors les murs de la Young International Art Fair, qui est un off de la FIAC qui se passe dans le Marais tous les ans. Voilà, donc on a investi avec Guillaume Castel la Cour des Archives Nationales en présentant Cocofas, les Cococs et Gringrin. Ça, c'est une œuvre de plus de 2 tonnes, donc ça a été encore toute une aventure pour l'amener là-bas. Et voilà, j'aimerais conclure avec vous sur cette phrase que m'a envoyée une amie il y a quelques mois. Le peintre Renoir a écrit à son marchand Durand Ruel. Durand Ruel était d'une dynastie de marchands. Il a vendu au fur et à mesure tout le stock de sa galerie pour acheter des peintres impressionnistes. Et pendant des années et des années, il n'a rien vendu, absolument rien. Et Renoir lui écrit « Ils ne vous tueront pas votre vraie qualité, l'amour de l'art et la défense des artistes avant leur mort. Dans l'avenir, ce sera votre gloire. » Et ça, c'est la dernière leçon d'humilité. Vise la gloire, c'est toi la star. Merci beaucoup.